Ce que doivent faire les autres. Facile, hein?
Ça, on le fait souvent, hein. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, faut se taire. C'est facile de le dire. Mais pour soi-même, aïe, ça commence à frotter un peu. Et heureusement, nous entendons cette petite parole, j'ai envie de dire cette petite confession de Saint Paul, avec son écharde, l'humilité de Saint Paul. Eh bien, ça donne toute l'épaisseur, toute l'authenticité, la véracité de toutes ces lettres, de toutes ces lettres. Alors oui, aujourd'hui, par le baptême, vous devenez Luna, Lazare, Fantine, Lou, Hortense, vous devenez comme nous, prêtre, prophète et roi. Alors oui, Seigneur, encore aujourd'hui, pour nous, appelle des prophètes pour notre aujourd'hui. Alors oui, Seigneur, aujourd'hui, soutiens par ta présence, par ton esprit, les prophètes d'aujourd'hui. Alors ceux qui vont être baptisés, vous allez recevoir cette force de l'esprit. C'est cette force qui nous permet, jour après jour, pas après pas, de répondre à cet appel d'être prêtre, prophète et roi. Et voilà les enfants, vous mettez cette eau pour le baptême. Alors oui Seigneur, bénis-la, que nous puissions, chacun de nous, devenir le disciple que tu attends. Que nous puissions devenir à ton service et au service des hommes, des prêtres, prophètes et rois dont notre monde a tant besoin aujourd'hui. Et puis, avant le baptême, on va le faire dans la foi de toute l'Église. Alors, à chacune de mes questions, on pourra répondre tous ensemble. J'y crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. J'y crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'y crois. Non, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
De cette bonne odeur de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous à jamais. Tu deviens prêtre, prophète. Je suis ta. Vous avez revêtu le Christ, habillé de blanc. Oui, soyez dignes d'être chrétiens aujourd'hui, en ce moment. Je suis dans la joie. À faire notre travail de chrétien, c'est de penser, de prier pour les uns et les autres. Oui, encore aujourd'hui, notre monde en a besoin. Prions pour l'Église, pour les prêtres, particulièrement pour Pierre-Étienne, qui fête ses 10 ans d'ordination sacerdotale, et pour tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu au service du peuple de Dieu. Nous pensons à Louis-Marie Bouette de Chantossé, qui vient d'être ordonné. Que l'Esprit-Saint leur donne force, confiance et audace. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens.
baptisés d'aujourd'hui. Fantine, Hortense, Lazare et Luna et leurs familles réunies autour d'eux. Que l'Esprit Saint les aide à cheminer pour découvrir chaque jour la joie de l'Évangile. Notre communauté rassemblée et élargie, particulièrement en ce jour de fête. Que l'Esprit Saint donne à chacun de nous charité et unité afin de soutenir tous ses membres absents ou souffrants. Viens.